Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va? Bah ça va super bien toi. Ça va très très bien, on sort d'une vidéo incroyable qui s'appelait Rokuku. Voilà. Bon, pas la vidéo mais le deck. Ah, vous la Et on connaissez? enchaîne comme cool chaîne avec Celestia Company. Je tiens à vous prévenir, disclaimer sur C'est cette vidéo. Celestia. Aucun gameplay gagnant ne sera présenté dans cette vidéo. Alors qu'on ne sait pas encore, on n'a pas joué, mais on le sait. Mais par contre, il va se passer Un forcément de la merde. maximum de folie quand on joue Est-ce Celestia que. Company. Le jeu nous bourre, littéralement. Est-ce que c'est pas la vidéo du renouveau? La Peut-être renou vidéo. la renouvelle vidéo. Non, mais c'est vrai La qu'à chaque Renault fois qu'on Kangoo. joue Celestia Company, ça agit comme un maximum d'alcool dans mon sang. Je suis ivre. Je ne sais pas pourquoi. Le C'est vrai. jeu, Mais en en fait, ça fait, nous rend fou. comme ça ne me comble pas, moi j'aime gagner à Magic, et comme ça ne me comble pas, ça me comble sur un autre plan. C'est-à-dire que ça libère un maximum de dopamine, mais beaucoup trop pour mon cerveau, tu vois, Ouais, je vois. qui ne sait pas comment réagir. Et donc, du Putain. coup, c'est comme un enfant à qui tu as donné trop de sucre quand je joue Celestia Company. C'est quoi quand je vois le side, je me dis que le mec savait pas où il allait. C'est moi qui ai fait le side. Mais voilà. Voilà, tu vois, je Je ne savais. savais pas où Mais voilà. j'allais. Mais c'est fou qu'il ait deviné. Il est bon, ce con, putain. Quand je vois que des fois 3, c'est jamais bon dans un side. Eh Ça ben, peut, on va voir. mais On va rarement. découvrir dans la vidéo. C'est le moment Incroyable. aussi de faire la promotion de nos réseaux sociaux et de vous Oh. demander de mettre un petit pouce bleu sur les vidéos. Oh On là va là. demander, on va essayer en Allez, 2021 de follow vous sur le Twitter, c'est demander. gratuit, ça régale. Bien sûr, on va essayer de vous le demander en début de vidéo, mais très rapidement. Donc voilà, le petit pouce bleu et l'abonnement, si ça vous plaît, c'est important. Ça référence nos vidéos dans Ça coûte YouTube. combien? 0 euros, Putain. 0 euros le temps d'un À ce clic. Et prix-là. je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le mettent Ça pas parce régale. qu'ils n'y pensent pas, parce qu'on ne le rappelle pas. Donc voilà, maintenant, on va forcer de manière modérée. La Exactement. force. Pas forcé, du coup. La... pas forcer. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Tu vois. Please. Du coup, ça, c'est modéré, quoi. Notre Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir en description. Également, oui, Exactement. également. Voilà, là, on est déjà bourré, la vidéo vient de commencer, c'est incroyable. Non, on n'a pas bu pour cette vidéo. En tout cas, pas beaucoup. Ou très peu. Très, très peu. Le Tipeee dans la description, ceux qui souhaitent nous soutenir d'une certaine façon, bien entendu, tout est expliqué sur la page, n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà, ça fait plaisir. Et merci beaucoup à notre sponsor qui nous soutient également, Magic Bazaar. Play-in, by Magic Bazaar, pardon. 50% de points de fidélité avec le code VALEPL 2021 que vous pourrez utiliser si vous avez utilisé le 2020. C'est un nouveau code, il est C'est un pour tout le nouveau monde. code, une seule fois par contre, mais vous pouvez l'utiliser même si vous avez utilisé l'ancien, donc ça régale. Ça donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaires. 5 euros de bon achat au bout de 150 points, donc régalade. Si vous restez des points d'achat, des points de fidélité, ils sont toujours valables. Voilà. Vous pouvez tout casser avec ce code. Merci à N'hésitez tous. pas, ça nous soutient. Merci à tous et code créateur Magic Arena FR, ce petit KPK de Star. Voilà, c'est dit. C'est dit, c'est dit. Et tu sais quoi? On part. Ah oui, on part. Bah, pourquoi expliquer c'est On va Celestia, de toute façon? On va pas. expliquer, on va dire, ouais, le deck il est censé faire ça se passe comme ça, cette carte synergie avec celle-là, le but c'est ça. Et le deck il va nous chier dessus en game, donc pourquoi parler? Donc voilà, on va juste expliquer les cartes telles qu'on les pioche. Et On a là, ça 8 va être. accélérateurs à 1 mana pour essayer de faire collecter de compagnie tour 3. Des bons drop 2, des bons drop 3 pour ramener tout Et ça sur surtout collected. beaucoup de drop 3. Beaucoup de drop Parce que 3. le deck il est curvé vraiment de. Itidam Ketu sur notre adversaire. Il est un petit peu. Créé dans le sens où tu veux jouer ton tour 1 pour accélérer ton tour 3. Vois, quand je vois cet 1, je sais que la vidéo, ça va être de la merde. Mulligan. Oh, fantastique. Wow. Wow. Oh, Je l'ai dodo. fait en slow-mo. Oh, dodo. C'est pas ce qu'il fait, le masque méchant. Allez, garde 6. Passons très très rapidement sur ce que je viens de faire. Je pense qu'il fait pas ça, le masque. Si, il fait un peu ça. C'est Torino qui le fait très bien. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Très bien. Il l'avait prouvé lors d'un cast N'hésitez pas à phénoménal. follow Torino sur Twitter et sur Twitch. Il Wow! l'avait fait dans le cast, oui, c'est Mais oui, il vrai, l'avait fait en maintenant que tu le cast. dis. Fantastique, hein? Fantastique? Attends. Si. Attends. Si! Attends! Bah, t'as raison, en fait. Voilà, je l'avais dit. Mais je voulais juste te le verbaliser. Oh, je mets sur l'eau ou pas? Bah, non. Je crois pas. Je ne suis point sûr. On joue Oh, contre j'aurais pu faire ça avec toi. Giganta, il a des oies d'or, ça doit être June Sacrifice. Quel plaisir, on joue un jeu créature, on prend un jeu qui bat les jeux créatures. Ah, cette vidéo, elle commence. Mais tellement là-haut. Oh! Apparition du Fort Céleste, instantanément. Monsieur, je vous demande de vous arrêter. Giganta la source, j'ai l'impression que c'est genre Giganta le S, tu vois. Giganta la veine. Grave. On dirait, moi, ça me fait penser à Manon des Sources. Deux salles, deux ambiances. Ouais, complet. C'est dingue, hein? Ouais. Oh non.
Attention, je vais chier par terre. Non, ça va, c'est le début. Mec, ça arrête Ah, jamais. s'il nous la rend, on est ok, hein. Enfin, il va pas te la rendre. Jamais il prend ça pour te la rendre. Enfin, s'il fait ça, il est pas très très bon, quoi. Non. Tu fais ça, il t'aide dans le coup? Il t'aide dans le ketou? Ah, voilà. C'est Ah, ce j'ai qui me eu peur, tu semblait. vois. Je me suis dit, bon, c'est pas possible. Oh, il crée deux foot du coup. Bien joué. Moi, je ferais juste bête frappée d'amour pour avoir cramlette le tour d'après. Ouais. Il bloque avec chat? Ok. Ouais, je crois. Il va perdre son petit foot du coup. Tu vois, l'ivresse tarde à monter là. Bah en fait, d'habitude on est plein d'espoir parce qu'on oublie. Oui, Mais là, là, c'est vrai qu'on a rogné sur plus belle l'histoire. magie, salut à toi, nous a fait remarquer que effectivement Célestinien, il y avait cause à effet, tu vois. Célestin, c'est pas possible, quoi. Ça devient problématique. Après ça, comment tu gères Coco, ça m'intéresse pas. Voilà. La réponse ne m'intéresse pas. Oh, sur Collected Company, tu pioches des cartes en plus. J'attaque pas. Non. Parce que je peux. Enfin, je peux, mais c'est Non, tu peux pas pas. ouf, quoi. Sur Comme dirait Collected Company, ça Legolas, marche, ouais. cela ne se peut. Il dit aussi que voient vos yeux d'elfe. J'ai revu la Non, trilogie c'est des pas lui qui dit Hobbits. ça. Je sais pas. Mais non. Non, C'est lui l'elfe. Que voient mais mes yeux d'elfe? il peut dire ça à un autre elfe. Que vois tes beaux yeux d'elfe, tu ne sais Bah pas? et toi, tes yeux d'elfe? Ah oui, c'est vrai. Et toi, il voit quoi? Ah, j'ai la flemme de regarder. Je ne sais pas. J'ai revu le Hobbit et bah, Legolas, il est chiant, quoi. Bah Legolas, il doit pas être là. Il est chiant. Non, mais ça, c'est pas grave. Genre, mettons de Ok. côté l'adaptation et tout. Chiant, quoi, putain. Legolas, t'es chiant, mec. Oh Legolas, t'es C'est un chiant. truc. T'es fort. Mais t'es trop Mais t'es fort. chiant. Dans la bataille des cinq armées, Legolas, c'est un maître Jedi. Ouais, eh ben il y a une vidéo que je pense que vous pouvez trouver sur YouTube où il y a des mecs très chauds en effets spéciaux qui rajoutent des sabres laser à des scènes Ah ouais? Ah bah. de bataille et notamment à la scène où il affronte l'orque dégueu là. D'accord. Et ça rend très bien. Et quand tu me dis c'est un Jedi, bah, tu vois cette vidéo, tu te dis ah mais ça Ouais. c'est le vrai film Eh en ben, j'ai fait. pas vu cette vidéo. Mais C'est. c'est vraiment la sensation qu'il donne tellement il fait des trucs cheatés. Cela dit, j'avais un souvenir que les gens Fulette. avaient chié sur la bataille des cinq armées. Et moi, C'est le le 3. premier, c'est le 3, quand j'étais sorti du cinéma, on avait tous le comparatif de la trilogie, de ta trilogie au Seigneur des Anneaux. On était tous un peu déçus et tout. Bah, à la revoyure, surtout les versions longues, ça se revoit très bien la trilogie du Hobbit. Et il y en a peut-être plein comme moi qui l'ont jamais revu. Passerait un bon moment. Voilà, petit conseil. Avis aux amateurs, n'hésitez pas. J'en avais un souvenir de trucs un peu loupés. Ma foi, ça se regarde bien. On va gagner cette partie, Val, tu te rends compte? Ouais. Et fort, hein. Parce qu'on joue quoi? La meilleure carte du standard? En historique? La meilleure carte de Magic. Et peut-être la meilleure carte tout court, en fait. Ça te propose pas doigt d'or. Doigt, 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 Ah, doigt, parce doigt, que je ne doigt, peux plus doigt, doigt. lancer plus d'un sort par tour. Et j'en ai déjà lancé beaucoup. C'est con ça d'avoir Cromlech et Archonte dans le même deck. C'est qui a créé ce deck là? C'est toi? Ouais, j'ai fait un melting pot de ce que j'ai vu à Mais droite à est-ce gauche que quoi. t'as rajouté Cromlech ou est-ce que t'as rajouté Archonte? Archonte. Bah parce qu'il y avait des listes avec Cromlech et des listes avec Archonte. Oui, mais faut pas tout mélanger, Val. Leçon dans cette vidéo. Je le découvre en même Après, temps. là, on a une 3-4 qui beat Non, down. c'est une petite anti-synergie. Il y a des decks qui ont été les meilleurs decks de leur format qui avaient quelques contre-synergies. Hein. C'est pas gênant en fait. Tu t'adaptes à ce que fait ton adversaire. Mais c'est vrai qu'il y avait des listes. Donc il y a une liste de Robert Taylor qui est Fireshoe sur Twitter qui a fait un top récemment en historique avec une liste comme ça qui lui jouait les Archontes. Et il y avait d'autres listes qui jouaient les grands Cromlech. Et je me suis dit que c'est vrai que quand tu joues Mahmoud du Kazandu, bête frappée d'amour des Collected Company, Cromlech ça fait plaisir quoi. Mais j'aime bien le côté Archonte pour le côté disruption qu'elle peut amener dans le format. Ouais, ah bah surtout regarde là, il la gère donc on se pose même pas la question. Oui, voilà. C'est dit, non, tiens, continue à jouer plein de cartes, s'il te Je plaît, c'est pense qu'on cool. était moins bien que lui si il laissait Archonte. Sans parler des 3 points qui beat down. Non, peut-être, peut-être. Maybe, maybe. Bon, bah là, faut partir en pioche, hein, en full pioche, avec Wador. Oh. Oh, bah, c'est tip top, ça. Tipu. Tip top. Pu. En vrai, tant qu'on gère pas Diable du Carnage, ça peut quand même aller un peu mal. Ok, aspirante. Garde toujours deux mana blancs pour faire apparition. Apparition. Ok, encore. On pourra encore faire apparition. C'est une bonne chose. Il est bien ce jeu. J'aurais pu payer avec l'elfe, remarque.
Dommage ça. Tu peux Oh, j'y mettrais 4 re-chromlec. pistes de miettes, moi. Tu peux décider de chromlec histoire de gagner 2 pev de Il peut le gérer plus. ou pas? S'il peut pas le gérer, je le fais. Main deck, franchement, s'il le gère, c'est un aventurier. Parce que chromlec définit pas du tout le format historique. Va peut-être regretter Bon, cette j'y phrase. vais, hein. Regretter ça, mais. Tant pis. Hein. Et là, tu peux attaquer quoi? Au mammouth, il va te chain block, donc Alors là, il faut t'as. surtout que je protège avec mes aspirantes un truc de ping. Donc peut-être que juste les aspirantes, je leur mets un chacun. Parce que ça m'étonnerait qu'ils fassent 6 ping. Ouais. Parce qu'un marqueur par tour, ça va être chiant pour lui. Ouais, peut-être tu protèges les deux aspirantes, ouais. Ah, mais il va te tuer avant que tu passes en. Bah, comment il fait? Il ramène son chat. Ah oui, mais il a l'enjambeur. J'allais dire, il a plus de moteur de sacrifice, mais si. Non, non, Mais si. il est full. Mais là, il va peut-être nous tuer en un tour, hein, avec enjambeur et tout son board, plus four de l'envoûteuse. En fait, moi, je pensais qu'on allait réussir à trouver une carte pour gérer le diable, mais je crois que si on gère pas le diable, c'est la fin des haricots ici. Ouais. On peut gagner quelques PV, ouais, vas-y, Oh là là, je suis aspirante. augmente l'aspirante, ouais. J'attaque avec ça. Bon, il peut. Non, il va juste te trade. Tu vois, après ça, les maillets sont pas si mal ici pour passer les board stall. Carrément. Les trois maillets, tu veux dire? Les trois maillets, ouais. Après, on va jouer 4, 3 Yasharn aussi. Il a deux diables du carnage, putain! On a eu deux grands cromlechs. Ça ne sert à rien. Ah oui, c'est nul. Mais on en a eu deux. C'est. On a eu deux oies d'or. Lui aussi. Ah, fait chier, ouais. Et on peut le dire, on peut le dire, fait chier. On peut le dire, ça fait chier, oui. Pour avoir d'autres apparitions célestes, ce serait bien. Oui. Apparition en plus en historique, faut savoir que c'est pas le même effet, ça exile tout ce qui porte le même Non. nom. Non. Ça marche pas. Ce serait bien si c'était une adjointe aux détentions plus la capacité d'apparition du Fort Céleste. Ouais. Ce serait encore plus joué dans tous les programmes Magic. Alors, est-ce qu'il arrive à nous mettre. Là, je crois. Est-ce qu'il nous Là, tue? on peut se mettre On a compté ou tranquillou. pas? Il nous met 2. 2 de Ah bah plus visiblement, il veut 4. tuer aspirant. Tu vois, c'est effectivement chiant pour lui. Oh, complet. Mais là, il peut pas juste nous tuer à travers notre board en sacrifiant tout avec son enjambeur et en double pingant tout. Ouais, quand même gros board, hein. Mais il a pas besoin d'attaquer. Ah, juste nous mettre 15? Ouais. Franchement, il est pas loin. S'il le fait pas, je t'assure qu'il est pas loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je pense qu'il était pas loin, mais le truc c'est qu'on gagne des pèves Et en fait. ouais. 15 il mettait, mais nous on gagne 5 pèves avec Chromlake et la food. Donc je On pense en qu'il mettait perd 2, pas à 20. on gagne que 3 PF du coup. Puisque au sacrifice, il nous colle 2. Ah ouais, on était quand même à 18, je pense qu'il. Bah Je mais il sais était pas. pas loin. Tu vois, je pense que là, on passe pas le tour, typiquement. Créer une food du coup. Non, fallait peut-être juste essayer de gagner un PEV ici, non? Bah, j'ai Oh! gagné 2 pèves. Oui, mais tu pouvais gagner un PEV en sacrifiant ta food plutôt qu'en créer une autre. Puisque de toute façon, on veut pas sacrifier des. Non, mais peut-être ça se discute, je sais pas. Ok, donc là, est-ce qu'il faut gérer enjambeur ou diable? Bon, un des du diable, hein, je pense. Ça, là, c'est sa façon de nous tuer. Ok. Parce que sans Enjambeur. enjambeur, il Ah, tue plus enjambeur, rien. il peut pas le sacrifier. Ah, bah si, il va le sacrifier en pingant. Il va sacrifier genre ça et ça. Ben non, il sacrifie juste ça, il ping deux fois et Ouais, après il le donc ramène au bah vas-y, bah cimetière. prends un diable. On a le droit de piocher une séquence de créatures puissantes. Ou une collected. Ou une collected. On joue 4 collected, on joue Vivienne. Le deck s'appelle Celestia Collected. Genre là, on fait Vivienne, montrant, on tue son dernier diable. Pas son deuxième diable. Oh, ça serait fantastique. C'est une noix d'or. Moi, mais on prend. Le cirque plein d'air. On continue. C'était presque le bon rythme. On Mais aurait calculé la fontaine à l'envers. je ne sais pas faire. Oui. Pourquoi autant de landes? Why? Oh, j'y mettrais bien 6, moi. Il part Oui. ramener chat, donc. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut te trade avec Gigantamith. Oh, j'y vais, Il peut te. Val. Ouais, vas-y, réfléchis Arrête, pas, arrête. merde. J'étais en train de Je faire te des maths rappelle le but de là, la vidéo, putain. là. Fais chier, quoi. Les maths, c'est loin Allez, derrière prends nous. 6 parce qu'il a 21. Voilà. End of C'est vrai qu'on n'a turn. aucune ambition compétitive dans cette vidéo-là. Tranquille. Pourtant, le jeu a l'air bien, hein, en vrai. Ce qu'on fait est cool. Mais tu vois, sans grand cromlech, on le bat pas. Hein. Genre, on le bat jamais. Ah si, il refait une foule. Ah, c'est un enfer, en fait, son truc.
Il va jouer Korvold. Il n'y a pas Korvold. Ah, quoique. Quoique, si. Ou S'il joue la Sirivel. version Voix d'Or. Mais il va jouer l'un ou l'autre. Non, il doit jouer Korvold, pardon. Effectivement. Les listes sont diverses et variées. Hein, dans ces coups-là. Bien fait de pas gérer en jambeur. Bah déjà, ça servait à rien. Et en plus, il en piochait un autre. On était fort déçus. Déçus? Alors attends, là, tu peux faire des trucs. T'as une food et gagner un PEV. Quoi qu'il peut pinguer. Ouais, mais dans tous les cas, il peut Il pinguer peut comme rien il tuer. veut. Ah Ouais. si, parce que je lui donne un PEV de plus. Gagne un PEV, non? Je crois que je refais une food. Ok. Toi, tu veux un max de food, quoi. Ouais. Ouais, Ok. parce qu'avec tout le mana qu'on a, Faut arrêter de piocher des putains de landes. quand on pioche un putain de land, bah lui, il doit enlever 18 points de vie de plus. Mais c'est fou quand même qu'on ne pioche que des putains de landes. Ouais. Allez, j'y vais. Pourquoi quand on joue Célestinien on pioche que des landes? Ah bah non mais là c'est nul, il va juste chum block. Bah, chiant quoi. Ça m'attriste, ça me fait de la peine. T'as raison. Ça vide mon âme. Non. De toute façon, il a chum block, mais il aurait très bien pu juste tuer l'apparition comme ça. Donc, Ouais, du coup t'avais pas un attaquant. Et je ramène le chat et je peux Après c'est vrai que là il a plus de cartes en main. Il suffit qu'on arrive à séquencer juste plus de deux créatures par tour. Ce qui est quand même très facile à faire avec un grand cromlech. Ça Oui. nécessite de ne pas avoir tous les landes de ton deck sur le dessus de ton pack. Je sais que c'est beaucoup demandé à toi le jeu, mais c'est une possibilité. Oui. Parce que là, lui, Itti Danketu, il s'amuse bien. Hein. Il se dit pourquoi je prends ça? Et nous on se dit pourquoi on prend ça? Il y a deux mecs qui veulent pas s'affronter, mais qui sont obligés. Ah, il commence à faire le ménage. C'est l'heure du ménage ou pas? Pas du tout. Essayez de deviner l'heure à laquelle on tourne cette vidéo. On vous répond après. Ok, on leur dit l'heure à la fin de la vidéo. Ouais, un Ce qu'on moment va, on on va dira oublier. l'heure. Ouais. Je dis rien. Putain, c'était la fin de son tour. Quel plaisir. Ah oui. Il va y aller. Il a raison. Après, je te dis une collectée de compagnie et on gagne. C'est colle. C'est Collected Company. C'est collectée de compagnie. Complètement. C'est quoi si je touche à ça? ce bouton, rien. Et à celui-là? Bah, on nous entend plus. D'accord. Et si j'appuie là? Bah, le PC s'éteint. D'accord. Et si je tourne ça? Suivant dans quel sens tu tournes, les gens n'entendent plus le jeu. Enfin, D'accord. nous, on entend plus le jeu, ou alors on entend très fort. Viens, on fait un jeu, tu dois gagner cette game, et moi je suis un lutin de Cornouailles. Ah ouais? Et je vais juste Mais je t'emmerde. dois pas gagner cette game, donc je vais juste m'occuper du lutin. Merde, il est pas rentré dans mon prank. Oui, merde, voilà. Suis très content qu'il ne soit plus jouable qu'en historique ce deck. Ouais, mais c'était, tu sais que c'était vraiment pour une dynamique d'APM. Il y a beaucoup de gens qui parlent du chat en standard et compagnie et qui oublient qu'il n'a pas forcément été nerfé que pour le niveau, en fait, Ouais. que pour la sainteté du format, mais aussi pour le côté APM sur Arena qui est très indigeste. Et on le voit hein, dans cette game-là, c'est quand même très très long. Et c'est pas de la faute d'Itti Danketu qui joue du plus vite qu'il peut. C'est que le nombre d'interactions que ça te demande de faire est assez insane. Alors c'est très bien compétitivement parlant, mais pour ceux qui veulent juste faire du ladder, c'est relou, quoi. Ok. Il va pouvoir quand même défoncer nos oies. Hein. C'est un petit peu chiant. Tu vas trade avec. Enfin, bloc avec l'oie d'or. Voilà, la 0-1, bien joué. Et tu peux aussi double bloc un enjambeur. Bah, il a de quoi le. Ah non, il avait pas de carte de cimetière. Je croyais qu'il avait cimetière plein, pardon. C'était pas mal, là, de double bloc un Ah, enjambeur. je croyais qu'il le ramenait. Du coup, c'était pas bien de lui faire ramener. Parce qu'avec Giganta, il fait l'humana, etc. Ok. Mais ouais, j'aurais dû. Ok. Ouais, ça on s'en fout, on a déjà bloqué. Je crois qu'il a pas forcément timé correctement. Ouais, je sais pas pourquoi il l'a tué. Bah ouais, parce qu'elle est quand même bloquée, ça a pas le piétinement, Giganta. Non, Bah alors je il comprends a pas. perdu un point. Donc là, vas-y,
gagne des pèves, hein, je pense. Plus que de créer des foods, parce que les foods ne nous servent pas à grand chose. Et là, faut juste pas piocher un land, quoi. N'importe quelle créature, collecter de compagnie pour avancer un peu dans le plan de jeu. Parce que sinon, on va juste perdre cette partie. Il nous grind à petit feu alors qu'on a un grand Chromlax, c'est quand même honteux, quoi. Ouais. Parce que son deck, il doit pas battre grand Chromlax si juste tu pioches naturellement dans l'ordre des créatures, quoi. Bah, c'est les sniens, hein. On sait hein, que ça se passe Celestia, comme on peut ça. rien faire, quoi. C'est vraiment insane, hein. Allez, Tu vas voir qu'on va faire fort. prends ça, et prends ça, et prends ça, et prends ça. Alors, tu vas enlever les elfes, les oies d'or. On n'a plus du tout un plan de jeu turbo machin. T'enlèves le grand Cromlech, je pense. Peut-être les Viviennes, plutôt. Les trois grands mecs? Non, je réfléchis Ah, peut-être peut-être pas. plutôt Vivien. Repose en paix, c'est quand même pas mal. Peut-être que les maillets, je me suis un peu emballé. C'est vrai que c'est bien de passer sur les board stalls. Archonte Deméria, faut enlever aussi, c'est pas très bien. Contre lui. Et tu peux enlever un maillet, je pense. Et là, on a vraiment pimpé notre deck. On l'a transformé. On a transformé notre deck. Se pioche pas que des landes, on devrait pouvoir gagner. J'aurais laissé un grand comme Lec. Au cas où. Là, on en a laissé deux, là. Ah bon? Ah bah c'est bon Ouais, donc tout va bien. Mais je vous en premier. Voilà! Ah, mais C'est c'est bien parfait, ça! Ah bah ça. Ah, elle c'est est vrai qu'on dans le avait... deck! Et on avait des limons nécrophages. 4! Pas 1, pas 2, pas 3! 4! Mais non, nous, on avait que des landes dans le deck. Des landes de merde! C'est dommage, hein. N'en parlons plus. Ah Oh, mais, on a la laissé des dernière forêts fois. moches. C'est pour ça que le deck il marche pas. La dernière fois, la session d'enregistrement s'est super bien passée. Il fallait que Vous ta avez glace soit vu des compliquée. vidéos très bien. Et là, je sens que cette semaine, elle est Aïe plus aïe dure. aïe 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 aïe. Elle est plus dure, on va le Aïe dire, on aïe va pas aïe. se cacher. C'est pas grave, c'est les risques du métier. On a signé pour ça. On a accepté, hein. Tu me l'as dit, de hein, toute façon, à l'époque, quand on a lancé la chaîne. Tiens, on va en chier. Tu m'as dit, ça dirait de faire ça. Attention, il y a des fois où on jouera CSN, ce sera de la merde. Et j'ai dit, c'est pas grave. Eh ouais. Du blanc. J'ai pas envie de faire limon maintenant, Non, là. non, non, bien sûr. J'aurais plutôt un 1-1, là. Complet. Tranquillou. Tranquillement. Tranquillou, Bilbo. Alors, cette game. Itidankitut. Cette game va être Itidankitut. intéressante. Ok, top. 5-5. Bingo, bingo. Tu perds un marqueur d'aspirante, sachant qu'il a pas de rouge encore pour te la gérer. Est-ce que c'est pas dommage? En fait, vu que t'as pas Cromlech en main, est-ce que c'est pas dommage de pas passer par aspirante là? Je pense qu'il vaut mieux optimiser le mana. Tu optimises le mana pour pouvoir faire Ouais. double tour 2 le tour d'après? Ok. Bah du coup, bête, vas-y. Toi, je vais voir parce que s'il me la gère là, d'une quelconque façon, je vais plutôt mammouth. Bah déjà, il a une quelconque façon. Déjà, il a quelque chose. Est-ce que ça serait quelque chose de quelconque? Conque. Oh, quel conque. C'est drôle comme mot, on dirait un nom d'un méchant. Ressemble à conque. Ah, Conque, c'est dans la Tortue Ninja. La petite boule rose, c'est ça? Moi je pensais. Ah, voilà, très bien. Comment ça s'appelle? Crois que c'est la petite boule rose qui est dans le ventre de l'espèce de Golgoth. Pensais au mec dans Cusco, mais t'as pas vu Cusco. Mais j'ai pas vu Cusco. Il s'appelle Conque? S'appelle Kronk, ouais. Ah, mais non, mais alors c'est toi qui Ah, as mais raison. t'as le C'est vieil toi qui Kronk. m'en as parlé alors de Conque. C'est moi qui me suis fourvoyé. Non, Et merci, là, le tu vas voir diable. que le quatrième land, on va bien se le mettre où je pense. Hein. Ah, bah, je vais lander mammouth. Vas-y. Mais c'est dommage. Ouais, j'aurais pu lander mammouth pour précédent. En faisant aspirante, et du coup, ça m'ouvrait collected. Mais s'il avait pas anti-bête, on avait une 5-5 sur le bord qui est chiant pour lui. Ouais, est-ce qu'il y a un truc qui est chiant pour lui? Ah, il a collected du coup. Bah, nous aussi. Et là, on trouve le land. Donc, je fais land, un point passe. Un point, si la collecte, tu donnes. Hein. Bah, je peux collecter dans réponse. C'est bien. Ouais, ça peut le faire. Ok. Si tu collectes en réponse, il faut attendre que ça résolve. Et là, toi, tu collectes pour trouver des. Comment elle s'appelle? Eh bien. Ça va, c'est fine. Pour trouver des apparitions. Dommage. On va. Aspirant, c'est une 1-1, il va la pinguer. Ouais, on va prendre Donc chevalière chevalier et est bête. bête. Hein. Ça met du beau board. Et tu la transformes en 4-3, elle. Ouais. Il mange la 1-1. Ouais. Après, on a le Nimon pour s'occuper du chat, pour l'instant.
Et on a une deuxième compagnie rassemblée, donc on n'est quand même pas trop trop derrière. Non, ça va. Surtout qu'Aspirante va pouvoir permettre d'attaquer avec B3P. Ouais, mais ça veut dire que tu la protèges pas d'un ping pour faire ça. Ne te découvre pas d'un ping. En mai, fais ce qu'il te plaît. Ouais. Tu vois que ce soit le mois d'avril, du coup. Ah, tu sens que là, il réfléchit. Oh, ok. Lui aussi, il a une autre collected. Alors, si je joue ça pour attaquer, je peux plus collected. Ouais, c'est pas très Donc, bien. je crois que je vais juste l'attaquer la 4-3. Ouais. Pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Les 4 points, il va quand même collecter de fin de tour. Je pense. Putain, il est bon le. Bah, collecte pas maintenant, toi. Hein. T'attendras sur sa phase d'attaque à lui. Oui. Bah, de toute façon, avec la La 5-5. merde, trouve pas un enjambeur et un diable, je vais juste La merde. rage. Relou. Ce qui est marrant, c'est que grâce à son familier, là, s'il fait truc à un rouge, l'acquisition du maître esprit. C'est Sur quoi B3P l'acquisition du d'amour. maître esprit? Droit du premier nez? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Et ben il peut attaquer avec. Ça, c'est super. Qu'est-ce que tu dis, acquisition du maître Qu'est-ce qu'il esprit? dit? C'est une autre carte, ça. On a beaucoup joué à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de cartes dans Magic Arena. Je vois même pas ce que c'est. C'est quoi? Putain. On s'en fout, vas-y. C'est quoi l'acquisition du maître esprit? Et maintenant, je collected. Pour faire quoi? Pour sacrifier autre chose sur la prêtresse. Si. Vas-y, si tu veux, ok. Si, Val. Ouais. C'est le truc à 4 manas en noir, tu vas chercher. Tu vas chercher Ah dans oui. ton deck ou dans ton side. Je vois. C'est acquisition de l'esprit supérieur. C'est pareil. Du maître esprit supérieur. D'accord. Bah oui, hein. Un Pique diable, hein. Pixie un diable, hein. C'est pareil. J'ai cliqué trop sauvagement, du Après, coup je très n'ai rien pris. honnêtement, je trouve que notre deck, ce qu'il fait, c'est un peu puissant, et c'est juste qu'on tombe sur un match-up qui est très Qui est mauvais, quoi. dégueulasse. Voilà, c'est le plan de jeu de jouer des créatures dans une méta sacrifice, il est très peu viable, pour le coup. Oh, est-ce qu'il fallait pas plutôt sacrifier notre bête frappée d'amour, On avait une 2-2 qui pouvait pas bloquer ses phases d'attaque. là? Ouais, mais tu donnes 3-3. Par contre, il nous dégueule à la gueule, en fait. Yacharn maintenant. Yacharn maintenant. Ouais. Yacharn maintenant? Putain, il est bon. C'est tout encore? Oui, bah quand Oui, même, parce que oui. c'est pas une obligation, Et là, sa quoi. dernière carte, c'est ça. Alors, tu as beau être certifié Top Deck Gold Plus, Top deck d'or. pas obligé, Et quoi, là, je tu le vois. souhaite à tout le monde. Ah, Non. il est en train de lire, il se dit. Ah ouais? Ouais. Alors, chercher une forêt, une plaine, ça on s'en fout. Et j'en ai pas fait. Ah! Oh, il Oupsi. sacrifie tout là. Ah, il va juste avoir emprise délétère. Il avait des emprises délétères main Ouais, il deck. va Hein. scry jusqu'à l'avoir et. Main deck, il les avait. Pour te Ah dire. bon? Bah oui, tour première game, il nous a fait emprise délétère. Ah bon? C'était pas la Non. première game? Non, c'est la deuxième là, je crois. Ah, c'est à la deuxième? D'accord. Je crois que c'était la première. T'aurais dû prendre deux plaines par contre. Ah, je peux? Ah non, tu peux peut-être pas, Non, non. pardon. Oh, bah c'est moi qui bilbeuse. Bah vas-y. Hein. Aspirante, Ouais. mais je mets un marqueur sur Yacharn ou sur l'aspirante. Je suis Yacharn, hein. Je crois que s'il a emprise, juste On chie. on chie tous les deux par terre. Non, C'est mais vas-y, vrai. ouais. Oh, j'attaque. Non. On n'est pas en position d'attaquer, là. Non, on n'est pas en position d'attaquer. Ouais, je crois Si je pas. me mets comme ça. Bah, tu seras en position d'attaquer, mais tu. Tu ne devrais pas. Ah. Ok, donc la position c'était mieux, mais c'était pas ça. Je vais creuser. C'était pas la position le problème, c'était le contexte. Ah, t'es pas dans le contexte d'attaquer. Il fait rien. Tiens, je fais ça, comme ça il est vraiment rect. À fond. Bah ouais. Faut être correct plus tard, quoi. Attends, je peux faire Limon, je lui vire son chat, il peut pas le ramener là. Si, il a un. Sacrifie une nourriture, il a pas le droit. Ah, ok, vas-y, vas-y. Bon, je vais pouvoir faire Et repose en paix au tu peux kill d'ailleurs. aussi Chevalière de l'Automne. Pour. Parce qu'avec
Yes, avec Chevalier de l'Automne, tu faisais un 3-3 avec ta fin déconcertante, non? Péter ta fin déconcertante, ça te faisait pas un 3-3? Ah ouais, mais je lui rendais Rien? On rien. avait pris un token, je crois. Non, j'avais pris Diable, donc surtout pas le Ah, faire. t'avais pris Diable? Je sais pas, comme la carte n'était pas dessous, Ah ouais. on va plus la mettre dessous, quoi. Elle était pas dessous? Ben non, Elle était il y Chantal? avait juste, elle était Chantal là-dessous, il y avait juste la fin déconcertante. Ah ben les rêves, ça part, ça fuse. Itpilangetu! Ça veut dire bon appétit. C'était que ça veut pas dire bon appétit, si tu Non, ça attaques veut dire Imar. que le repas soit bon, un truc comme ça. Ouais, un autre délire, mais pas bon Mais appétit. c'est une formule Bien que tu dis au sûr. moment de Non, dire mais bon ça, c'est parce appétit. que je voulais faire une Non, parce action. que voilà, j'ai été au Je Japon, voulais donc je peux pas vous le j'étais au dire, moi, comment ça se Japon. passe. Oh! Oh putain! Tour de repos en paix. Déjà, tu vas Kazindu. bien aller te faire voir, il dit comme Voilà. Pekou. Oh! Allez, vas-y, repose-moi ça en paix là. Il veut nous faire sage du reboisement, je vais chier par terre. Chefique. Comme ça, En les gens dans les canon. commentaires, ils vont dire, oh, va, il chie encore partout. Oui. Y a un problème avec, avec ça, avec cette partie du corps. Là, le problème, ça va être le quatrième land. Qui Oh, nous fait, Jiméli, qui nous mon. fait, bien sûr, qui nous fait instant win, ce Regarde ça, quatrième je lui land. Hein. balance On l'imp. fait nimp. Hein. On trouve quatrième land dégagé, on fait collected, non, collected, non, collected, non, collected. Est-ce que du Taratata. coup, tu ferais une compagnie de compagnies rassemblées? Une collect exception. Tu sais ce que je me disais, Val? Dis-toi. C'est que ce désert là, Ce sera votre désert. ce sera votre désert. Non, je le trouve très créole ce désert. Ok. Donc est-ce que ce serait pas une compagnie créole rassemblée? Peut-être. Peut-être. Effectivement. Il faut qu'il ait son putain de truc, par contre, hein? C'est normal, il joue des cartes, et il a raison d'avoir ça. Par conque. Par contre. Et merde. Ah mais l'immense c'était pour le bait. Là du coup il met tout, nous on va faire land collected et voilà. Je t'en supplie, donne-moi un land de jeu. Yes! Putain on est à 11 hein. Ça file hein. Peut-être tu compagnies en Ouais je crois que je rituel. le fais maintenant au cas où j'ai une... La 1-1 là, qui met un marqueur. Ok, c'est acceptable. Trouvez-vous. Acceptable. Une 4-3. C'est quand même pas la Ah je pourrais faire folie une furieuse. 2-1 gagner 4 PV en vrai. Acceptable. Comment ça, tu faisais une 2-1? Parce que 2-1 trader avec ces trucs. Ah oui! Ah oui, parce que là, elle trade quand Ah même. mais peut-être que il la trade Non, pas du je coup crois que tu par avais peur raison. de se faire saucer. Oh bah non, il a encore ça, donc il s'en bat les couilles. Oula. Les gens sont quand même insupportables. On va prendre 4 là. Je crois pas, je crois que tu trades un TPV, là ils ont beaucoup de valeur et nous on a compagnie rassemblée derrière. Parce que c'est sûr qu'il va la sacrifier la chevalière. Bah je sais mais. Ah tu trades 100% je pense. Ok. Là Pourquoi il n'y a pas son scry? c'est pas le board présent ce qui nous fait défaut, c'est les PEV. Encore? Ouais. Ah, jusqu'à ce que ça suffise. Hein. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh putain. Horrible. On a un trade encore. On a un trade. Horrible. Horrible ce qui se passe, Val. On va perdre cette game. On va perdre cette game. Et gros, ouais. Allez. Non, attendez, on est mort ou pas? Est-ce qu'on est Bah, il mort? sacrifie cher, on perd le Non, limon, mais on prend peut-être. 12, on est mort. Il n'y a pas de peut-être, c'est. Et en plus, il fait ça pour rien. Il avait une chèvre. Ah, j'avais pas Il vu. sacrifie chef de. Ben ouais, Voilà. j'ai pas vu, j'ai pas vu. Parce que là, on pouvait trouver double apparition, comme lui, il trouve double diable. Mais non! On a fait deux collectés de compagnie, la première était décente, la deuxième était nulle à chier. Ouais. Allez, relance, c'est pas grave. Ah, bah, bien sûr que je lance. Oh bah Attends, c'est attends, une vidéo plutôt deux fois CFMIA et qu'une. je trouve qu'il n'y a pas eu cette dinguerie. Et Oh, je joue donne-moi. cette merde. Non mais comme quoi les Et gens je vais verront faire la qu'on a. vidéo comme ça, voilà. On a une vraie malédiction, comme quoi, vous allez le voir, que là, enfin, Ça ne peut le pas. deck ne veut pas, quoi. Attends, je vais juste checker un truc. C'est bon. Je sais pas si mon fond vert est fait de la bise. Ce n'est pas important. Oh! Voilà. Oh! Ah si, toi, il est pas trop trop bien, ça me gêne. Oh, j'en chie. Salut, c'est Jean. Jean Chi. Oh, c'est une belle main, ça. Bah oui. Tu vois, il fallait que tu le prennes. Bah oui. Ne dis pas, ben oui, avec autant d'impôts. Bah oui. Pas faute de te l'avoir dit. Donne-moi la souris. Ben non, tu l'as pas dit. Non, je vais pas dire. C'est pas vrai. Mais tu l'as pensé. Non plus. Non, j'étais bien en tant que spectateur de ton désespoir. Le commentaire du jour sur YouTube, quelqu'un qui dit en tout en majuscule, il n'y a pas eu un seul typhon! Avec 4 points d'exclamation. Merci pour ce commentaire. Ouais, je mettais un petit pouce bleu, tiens. Hop.
Sur Spiante. T'attaques pas avec la Spiante? Je ne répondrai pas. Si, c'est pour aider. Je ne répondrai pas. Tu sais, PL, on a fait une vidéo avec Zerator, si tu veux aller voir les bases de Magic. Sache-le. Elle les créatures sont malades. Les créatures sont malades. Vous pouvez aller la voir si vous découvrez les bases de Magic ou alors que vous... Mais si, ça fait 35 minutes que vous nous regardez. Vous avez peut-être... vous êtes déjà parti, je pense. Donc ça fait pas 35 minutes que vous regardez si vous découvrez les bases. Je me gratte le bout du nez. Je me gratte le bout de la truffe. Ça, c'est quand ça se passe très très bien. Si vous jouez contre moi, c'est que j'ai tout. Si vous me voyez chier par terre, c'est que j'ai rien. Mais détournez le regard. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Passe d'attaque ou est-ce qu'on aspirante ? Ou tu préfères être mana effectif avec un mammouth ? Passe d'attaque et mana effectif ? Je préfère mettre des bêtes frappées d'amour ou mammouth, ouais, pour qu'il y ait des menaces à pair et impair, en fait. Si je joue événement d'extinction. Okay. Bon, vu qu'il joue du blanc, peut-être qu'il joue plutôt fracassement du ciel. Ouais, on a... ou colère de dieu, on est en historique. Hein. Ah oui, c'est vrai, bien, bah, colère de dieu. Ouais. Le Kokeng. Ouais. Effectivement, il doit probablement jouer des colères de dieu. Bah, j'aurais plutôt joué bête frappée d'amour parce que ça assurait plus de points. Et on avait des 1-1 pour le trigger. Ça assurait plus de points, oui et non. Vous pouvez aussi gérer notre 1, quoi. Non, on avait 2. Ah oui, c'est vrai qu'on a un elfe. Ok. Après, si on trouve l'ante, ça revient au même. Oui, ça revient plus. Mais si on se prend brasse, bête frappée d'amour, elle est plus chiante à trigger. Alors que mammouth, ouais, ça restait ok. Voilà, je sens qu'il est quand même en train de galérer déjà. Il joue des augures de la mer. Alors qu'il ne joue pas Yorion. Donc son deck est déjà un petit peu du côté épicé de la méta. De l'autre côté de la barrière. Ok. Bah écoute, nous on va juste bourrer. On va prendre plutôt du blanc. Mais il est mort là. Non. Non, mais on va lui mettre pas mal. Hein. Mais tu mets tout là? Ah ouais. Bah ça sert à rien, t'as déjà l'étal. Garde bon. Comment ça j'ai déjà l'étal? T'as l'étal le prochain. Ouais, mais attends, il peut gérer aussi, il peut avoir événement d'extinction, il peut avoir des anti-bêtes ciblées. Non mais là tu lui mets tellement cher. Parce que bien, juste repartir avec une bête frappée d'amour, c'est naze. Ah oui, mais c'est mieux que rien. Repartir avec rien, c'est pire que naze. Bah, en fait, repartir avec une bête frappée d'amour, c'est l'équivalent de repartir avec rien, alors que là, peut-être que cette bête frappée d'amour pas posée nous donne pas le létal le tour d'après. C'est ça qu'il faut considérer. On prend le pari, là je joue pas, et on voit si c'était mieux de la jouer ou pas. Non, d'accord, mais ça veut dire qu'on prend ton play, du coup, sans avoir discuté des opportunités de faire le mien. On a discuté déjà, Val. Qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir cette bête frappée d'amour quand tu reviens? Je comprends qu'il faut pas s'étendre dans les bras. T'as pas mal de 1-1, mais quand ça a la valeur, suivant ce que tu pioches. Ou une collected, tu vois. Non, pas sûr. Mais non, tu perds des points là. C'est pas grave. Ça diversifie. Ah, mais si tu prends ma ligne, mais que tu fais pas les bons plays, fais pas attention à ce que je fais, d'accord? On n'est pas là pour bien jouer. Parce que comme t'avais une 2-2 en 1, c'était pas mal d'avoir adversaire à moins, quoi. Quoi que tu pouvais pas le mettre à 2, tu pouvais le mettre 4-3. Nous verrons. Oh. Très bien. Elle survivait. Hein. Elle survivait, mais elle pouvait pas attaquer. Bah si, compagnie rassemblée. Ah, elle pouvait peut-être attaquer. Donc on gagnait peut-être cette partie. Sur ce play, oui. Mais est-ce que tu avais en tête Yannis Expertise into Tribunal? Pas du tout, mais en fait j'avais en tête que le petit scénario gagnant de garder cette bête frappée d'amour était extrêmement rare. Ouais, je sais pas, je valorisais plus la bête, dites-nous les commentaires. Je comprends, ton play avait du sens, et là c'est un scénario aléatoire qui me donne raison, et en vrai, je l'avais pas non plus. En fait, s'il cassait tout, tu vois, en historique, surtout à 4 mana. Oui, normalement. Mais là, ce que tu dis, c'est en gros, si t'as raison, mais que tu sais pas pourquoi, ça a pas de valeur, et moi, je valide tout le temps ça. Mais c'est juste que là, cette petite économie de bête frappée d'amour, c'était pas trop ne pas s'étendre dans le board. Est-ce que je la joue en rituel? Oui, pour pas me prendre des contres. Ou alors, c'est si la brasse, tu perds tout, non, ouais, faut le faire en fin de tour. Là c'était juste que en fait c'était pas ne pas commit son board, c'est que dans tous les cas ça avait quasiment aucune valeur de repartir s'il avait brass, quoi. Ouais. Oh là tu trouves Questing Beast. On n'a pas. Et on peut pas. Bon. Bon écoute, on va y aller avec ça. Il y a des créatures exilées. Vas-y donc. Forcément. Ah ouais, ouais. T'en as plein. Bah let's go. Mais là.
Cette œil devrait catch, juste l'étal. On va attaquer les deux quand même. Ah oui, bah je vais pas tourner autour de cette œil. Ok. Ok, ça on va pas. J'aime beaucoup cette carte d'ailleurs, une carte de pionnière. Il est obligé de bloquer l'une et l'autre. Là, tu peux bête. Je peux bête et oie. Hein. Et oie d'or. Quoi que je crois pas, je crois qu'il faut juste passer le tour et buffer le. Juste faire une oie d'or, pardon, et buffer les limons. Ou est-ce que bête là, elle est importante? Moi, je mettrais bête et je bufferais un limon. Je jouerais pas le oie d'or. Ok. Comme ça, s'il veut faire acte cruel, par exemple, bah, tu peux protéger un limon. Tu peux protéger un limon, ouais. Il y a une expertise. Mmh, bon, exil une bête quand même, mais. Ouais. Si tu gardais ton mana, tu pouvais sauver un limon. Tu pouvais sauver un limon. Voilà, ouais, ça dépend. Parce qu'il peut jouer un sort gratuit. Donc, si tu refais trial, c'est pareil. Ouais, mais tu prends pas en compte les deux cartes. C'est vrai qu'en ayant connaissance d'expertise de Yaeni, il fallait garder pour. Pour notre. Oui, mais bon. Genre là, on tourne autour de deux cartes. Il fallait c'est quand tourner même étrange comme play plutôt que de juste jouer Vras qui tue tout. Parce qu'il doit avoir d'autres plays sympathiques. Il doit jouer Orion. Est-ce que tu ferais pas une apparition sur son augure du soleil? Ouais, je crois ça qu'on a développé un truc. Non, et là, hein, mais. Et une Odor, comme ça, s'il a un trial pour faire sacrifier, bah tu sacrifies un Odor. Ouais. C'est dur ce qu'il nous fait là. Ses sorties sont plutôt bonnes quand même contre nous. Ouais, on avait l'impression qu'il galérait au début, mais. Enfin, qui lui cru que ses signes n'étaient pas bons? Lol. Wizard, please. Comment on la gagne cette game maintenant? On a passé un peu de. Bon, Vivienne, hein, Vivienne met des marqueurs sur Wador. Un peu de stuff, quoi. Bah, ouais. Je crois que je vais juste commit maintenant. Mais pas, mais pas Wador. Parce qu'il peut faire défausser Akashiok, donc faut que tu gardes des cartes en main. Par exemple, tu trouves Vivienne, tu fais Vivienne, il fait Boons, tu défausses Vivienne. Ouais. Ça sert à rien, là, une Wador de plus, je pense. Vivienne, ça met des marqueurs et ça fait fight, c'est ça? Ouais. Ok, ça met deux marqueurs, donc tu mets deux marqueurs sur Wador et tu tues en deux tours. Oui. Il est quand même au top deck, hein. Il a Ashiok, mais Ashiok va pas tuer de suite. Un land. C'est quoi ça, c'est le land qui... Ok, non, ça c'est le bilan. Le passage. Ou un grand Chromelec. Ouais, on pouvait pas le caster. Si. 9 moins 2, 7, on a 5, 6... Ah non, sans jouer le Wador, on pouvait pas le caster. 2, 3... Pourquoi en rituel? Parce qu'il s'en fout, il est bien dans sa game. Ouais, je crois qu'il s'en fout, il garde la carte au-dessus. Peut-être qu'il a un piocheur, non? Tu vois, encore une fois, Maillé, c'est dans ces spots-là qu'il est incroyable. Ouais. Là, tu fais Maillé, je te bourre, j'ai gagné. Ok. Il y a plein de spots où Maillé est bien. La carte était absente des listes, je pense que c'est vraiment bien contre plein de jeux. Ouais, carrément. En tout cas, en standard, c'est une carte qui est plutôt plébiscitée et elle mérite au moins d'être testée en historique, je pense. Bon, après, lui, il a tout ce qu'il faut contre nous, hein, pour le coup. Et c'est rigolo, parce qu'il joue un plan de jeu dérivé du standard, mais avec des bonnes cartes. Mmh. On va pas gagner des pèves, ça n'a pas d'importance. Ouais. Que les autres. Qu'on va concéder. Non, tu peux encore gagner. Hein. Bah, j'y crois pas, moi, là, contre lui. Hein. En fait, il est au top deck, tu vois, donc... Ah, mais il fait moins 7, il récupère... Tout ça, il nous joue Chromelec dans double batch, pioche 3. Faut qu'il le fasse. En vrai, tu peux garder un tour pour voir. Et tu peux jouer une autre. Ouais, j'y crois pas des masses quand même. Dans ce spot là, je vois pas trop comment est-ce qu'il arrive à perdre. En tout cas, nous, vu qu'on n'a pas de reach, qu'on n'est pas capable de faire voler nos créatures ou de lui mettre des dégâts à distance, on passera plus quoi. Mais justement, avec Vivienne, si. Parce que tu mets des marqueurs sur quoi. Ouais. Et du coup, si Boons Vivienne, bah, il gère pas l'oie avec les tokens. S'il gère l'oie, il gère pas Vivienne et on a une deuxième qui peut beat down. Il ouais, perd à choc déjà. Va juste aller au plus simple. Il va prendre Chromelec et. Pourquoi il joue? Ah, ok. Faut qu'il les joue dans le bon ordre d'ailleurs. Je crois que tout arrive en même temps. Ah non. Eh ben non, bah du coup, il s'est trompé. Le coco. Bah ouais. Oui, il fait ça. Là, il repasse à 6. Enfin, il y a plus d'espoir. Hein. Bah, si on peut protéger encore une fois Vivienne et qu'on le beat down dans l'air. Ok. Il faut la piocher maintenant. Si on la pioche pas maintenant, on a perdu. Mais le truc, c'est qu'il gagne quand même 2 PF par tour, donc il sera à 8. Donc même avec une Vivienne qu'on n'arrivera pas à protéger parce qu'il a trop de board, je vois. En fait, pour moi, même Vivienne ne nous fait pas gagner ici, c'est ça que je veux te dire.
Je vois pas comment Vivienne arrive au bout de ses 8 PV En fait, en si deux elle tours. fait 2 tours, Vivienne, elle met 4 marqueurs, donc tu mets 4 par tour. Ouais, Et avec ton fou, donc survie. t'auras mis 2 puis 4. 2 puis 4, 4, 4, 4, 4. Ouais, mais lui, il a Grand Cromlech, il pioche plein de cartes derrière, quoi. Bah, plein de cartes, non, il joue pas de bête, à mon avis. Disons Enfin, que il en joue peu. on la tue pas en deux, on tue pas en 2 tours, faut tuer en plusieurs tours, et je vois pas comment est-ce qu'avec son board on va arriver à garder notre Vivienne, quoi. Ah bah, en plus, il y a Doom. Il a Doomé. Bon, là, tu peux lancer. Il Oula, perd tout, oula. là. La sortie était, ma foi, extrêmement Ouais, il véhémente, hein. a pas tant pioché que ça. Il a vraiment eu les bonnes cartes dans le bon ordre. Alors. Alors qu'au début, il a rien. Il se faisait juste saucer, mais... Qu'est-ce qu'on veut pas contre lui? Probablement ça. Il y a Sharn, ça bloque Doom ou pas? Non, ça marche pas. Les gens ne peuvent pas payer de points de vie et ça. C'est pas une capacité activée. Ouais. Est-ce que Arconte c'est bien contre lui? Je crois que ça nous empêche de servir de Cromlech et lui, il fait souvent un sort par tour. Ouais, il fait des sorts puissants, il joue en tap out. Faut peut-être que t'es dans les accélérateurs, genre Roi d'Or, c'est vraiment naze contre lui. Ça me choquerait pas de pas en avoir. Ouais, je crois que t'en laisses une du coup, mais parce qu'on n'a rien d'autre à mettre. Repose en paix, c'est pas idiot idiot contre lui, pour le coup. Ça nous embêtera moins que lui, ça ne l'embêtera. Il a peut-être des aspects de Conquerdès, on a vu qu'il avait des danses du manoir, mais c'est vraiment pas du tout dans le plan de jeu agressif, ce qui est un peu dommage. Peut remettre une roi si tu veux. Ouais, en fait, si comme il a Ashiok, c'est pas son seul kill d'avoir Danse du Manoir. Si tu es Kassa, tu peux mettre des reposes en paix et du coup, c'était chiant pour lui, ouais. Ouais, bah il va tuer. Au pire, vu qu'il contrôle, il va nous tuer au Yorion, lui. Ouais, il y a des Yorion Au final, aussi. on tryhard vachement plus que ce qui était prévu dans cette vidéo. On essaye d'inverser la tendance, mais on voit que non, hein. Mulligan. Bien. Limon se fait rien contre lui, je crois. Ou apparition, peut-être. Disons qu'apparition, c'est vrai qu'on la caste pas là actuellement. On la caste pas et on n'a pas envie de trop de gérer de trucs à part Doom. Ouais. Et Doom, c'est un vrai argument, mais. Ouais. Oh, j'équipe le la noir. Bah en vrai, si. Ouais, pour prochain. Hein. Ah bah non, pas trop Je respirante. pense qu'on va plutôt aspirante. On préfère équiper aspirante ou limon nécrophage? Bah de toute façon, tu vas aspirante tôt pour qu'elle commence à snowball. Marqueur sur elle-même, pas trop d'actes cruels. Et un petit point. Oh, je Bon. m'étire. Si on fait un land, on peut Vivienne sur le play, ça le mettra mal. Pas le Un land. petit maillet, hein. Bah, let's go. Tu le sens le l'anti-bet en réponse? Ah, non. Là, il peut le faire maintenant. Oh, il le fait pas. Ah, sur aspirante, hein. Tu le tues en 3 tours. 4, pardon. Excellent, c'est maillé. Excellent. Excellent. Comment il va? Comment il va celui-là? Piocher, c'est nul. Gagner l'expertise, ça fait quoi là? Là, ça fait rien. Eh Hein. bah si, parce qu'il fait gagner l'expertise trial noir comme il a fait 2 fois d'affilée. Oui, après bon, c'est pas obligé d'être le boss à chaque fois, tu Obligé vois. Il n'est pas d'avoir. obligé. Nous aussi, de temps en temps, on peut avoir des séquences gagnantes avec ce jeu, avec Celestia. S'il vous plaît. Faites-nous plaisir. C'est pas mal, ça retarde Vivienne. Limogne, Et nous, on les 6 trouve pas points. de land. J'adore. Tour d'après land, on a gagné. Qu'est-ce Ah qu'on en ouais? pense? Bah, land, maillet, Ah maillet ouais. 5, 6, ouais, non, ça va. Hein. Bah, écoute, hein. Yeah. Perdre le limon. Hein. Dieu caravane. Exilez-moi ce double. Ce doumé. Ce double. Je crois qu'il n'y a que les Corses qui jouent Fatalité Prédite. Il y a beaucoup de Corses qui jouent Fatalité Prédite. Beaucoup de Corses. Ah, beaucoup de Corses. Est-ce qu'il faut, sachant qu'on tue en 2 tours quoi qu'il arrive, est-ce qu'il faut pas protéger ça d'une interaction Bah, genre. Yaini, ça met moins 3, Sermangaea, ça met 3. Donc, Ah, c'est voir sur le long terme, quoi. Non, je crois que je saucerai, histoire qu'ils doivent tuer la 7-7. m'en fous du long Et terme, t'as raison. tu le tuerais avec apparition et maillet, quoi qu'il arrive. C'est combien pour équiper maillet, si on joue bas de la main? 4. Ah, c'est 4. Donc, il peut se dire, je laisse l'apparition et je gère l'aspirante. Et il meurt quand même, et nous, on fait bravo. Bien joué, Monsieur Marareal. Ok, Ashiok, ça le fait. Ah, il va bounce aspirante. Va vivre, hein, il a Ah, il perdu. ment. On assure de la mort, là. On enlève maillet, Vivienne. hein, ou Ah, non, non. Vivienne. Et sans les maillets, t'as perdu.
Ah oui, non, putain, j'étais là en mode faut Enfin, que t'as je pas perde. perdu, mais En t'as pas fait, dans ma gagné, tête, quoi. j'étais là en mode on rééquipe celui-là, mais pas du tout, on s'en balèque. Et non, et non. Petit patapon. J'étais sur un autre play, le play compliqué. Ah, en fait, il fallait plutôt défausser aspirant, parce qu'il savait pas qu'on jouait des Vivien. Maintenant, ici. Ouais, de toute façon, là, on va être sur le draw, c'est même pas dit qu'il fallait pas les cutter. Non, pas grand-chose à rentrer, quoi. Si tu veux pas des Yacharn pour être touffu, ou des Archontes pour peut-être faire chier, mais je crois pas que, regarde, il a joué un truc partout, là. Non, mais c'est tous ces basiques qui arrivent à taper. Hein. Donc ça veut dire que tu brasses pas tes 4 hein, dans son deck. Ah oui, il y a un deuxième effet. Ah bah peut-être que tu rentres les archontes Moi là. j'aime bien hein, Ouais. par rapport à ça, Du coup, sachant ça qu'il veut a dire qu'il va plein avoir du mal. d'anti-bet. Je verrai un Cromlech et je laisserai une Vivienne quand même. Bah, À la franchement, place. sur la draw, c'est pas très bien, hein, franchement, Vivienne. Ah ouais, je sais pas, j'aime trop les Planeswalker verts, moi je crois. Parce que Cromlech, ça marche pas très bien avec Archontes, c'est pour ça justement je me dis. Non, c'est sûr. Après, même si ça marche pas très bien avec Archontes, c'est tellement puissant si on arrive en setup 1. Peut-être que c'est juste ça qui est pas bien. Parce que dans tous les cas, il va essayer de brasser notre board. Ouais. Moi, ça me va comme ça en Ouais, fait. essayons. Tentons. C'est parti. Le tenteur tenté. C'est vrai que le plan de jeu value contre Doomforthold avec des danses du manoir, on va peut-être l'oublier en fait. Ouais. Et lui, il a un spell, il ramène tout son cimetière, il fait full Du value, coup, c'est comme les tu peux, 4-4. tour 1 elfe, tour 2 mammouth, tour 3, bon, ça va être gardé. Ouais. Tu peux faire tour 3 grand comme l'egg quand même en historique. C'est vénère quoi. Tu fais toi un F quand même, au cas où. Si tu trouves land, tu peux faire mammouth. Bah, parfait. Ouais. Ah, il s'appelle Titus, celui-là qui a dessiné le jardin du temple. Titus Runeter. Splinter. Incroyable. Ah, c'est Lunter. Je crois que Ou c'est Lunter. Lutner. Eh ben, c'est le mammouth qui part, je crois. Hein. Sinon, tu peux Oui, tu peux t'ouvrir. Elf pour essayer de faire collecter tour 3. En Après, mammouth, elle a l'air mieux. si on pioche un land, on fait aussi collecter tour 3, donc c'est. Ouais. En plus que mammouth Ouais. te permet de mettre des points en jouant l'autre mammouth Oh, en land. j'aime bien. Voilà, il y a Archonte qui pourrait bien le faire chier. Alors là, je vais lander déjà en rituel. Ouais. Je vais le bourrer avec mon mammouth juste. Ouais, Ah, tu vas jouer attends. Archonte, hein. Attends, je vais d'abord jouer l'Archonte d'Emeria parce que si jamais il me fait trial en réponse, je vais devoir sacrifier la Noire et je pourrai plus jouer Archonte. C'est bien vu. Donc je crois qu'il va falloir Archonte avant. Mais c'est vrai qu'on le met Ah, mal ça le là. flash, le trial. Ouais. C'est une vraie bonne carte ce trial. Enfin, je crois, hein. Si peu, il a pas le flash et je dis de la merde. Il a trouvé un basique, quoi, là. Et nous, on trouve pas le land. Putain. Bon, ça va, on repart. Hein. Moi, je suis commit derrière la brasse. Hein. Désolé. Hein. Ouais. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi Pardon! de recommit tout le board, en fait. Il me rend de gaga. En fait, jouer ce deck-là, ça me rend gaga, quoi. Je deviens fou. Mais gros, pourquoi on joue contre des mecs qui jouent des Vras comme ça, qui annihilent notre deck, uniquement quand on joue Celestia? Sinon, on joue jamais contre eux. Mais quand on joue Celestia, toujours, on prend ça. Un main Ah. 5-5 là. Gâche, rien à foutre. Non, ben non, c'est pas fou. C'est fou. Ah, comme ça, avec Un compagnie, il main bourre. 5-5, ouais. Vas-y, vas-y. Main 5-5, ton prochain, tu trouves land collected. Là, il faut faire les plays en pactant là. Là, Faut y aller je là. sens Faut la y aller, Thierry. Doomforthold, là. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est Et nul. c'est moins fort qu'une 5-5. Oh, yes! J'ai dit, tu trouves land. J'ai dit, tu trouves land. J'ai dit ou pas? Ah, tu as dit, tu as J'ai dit. dit. C'est pas de double aspirante là? Par contre, c'est. Ah, c'est trop tard, par contre, ça fait plus rien, ça fait chier là. Ça fait chier. Oh, ça fait Tu dois chier. scroller, quoi. Mets-y deux marqueurs sur la bête. Toi, t'es. Ah, tu peux pas protéger de sa aspirante. Deux marqueurs sur Overhype! la bête? Tu mets comme ça dans les points de dégâts là. Overhype! 7 points. Qu'est-ce que tu fais là, monsieur Mararil? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends 7, évidemment. Sachant qu'on peut Évidemment. apparition sans Doomforthold. Amblouse. Encore une brasse. Mec, j'en peux plus. Je n'en peux plus, gros. Genre, je ne sais pas comment il fait. On vient de la caravane? Je ne sais pas comment On il va fait. trouver une 1-1. Là, on trouve elf là. Je n'en peux plus. Je deviens gaga. Oh, j'y vais, hein. Bah oui. Il me dit ça dépité. Il va juste la Rien à sacrifier, faire, hein, hein. cela dit, mais. Bah il aura sacrifié, hein. Il pourra pas la blink avec un rien. En vrai là, il peut aussi se dire, ok, je laisse résoudre s'il a une réponse, parce que nous on peut encore jouer un drop 1, tu vois. Du coup, il a rien en main. Ouais, c'est vrai qu'il était mort là, quasiment. Quasiment. Enfin, non, en fait, il était pas mort. C'est que le dernier point de vie qui compte. Je vais sacrifier l'apparition.
Alors, est-ce que ça a flash ça? Ah non, mais pas du tout, je dis une Non. bêtise. C'est dommage, ça pourrait. Wow. Si t'enlèves Trial, il doit enlever Doomfortold ou Yorion. Donc est-ce que c'est pas plus intéressant? Je suis pas sûr, je crois qu'il faut juste enlever la fatalité, non? Si t'enlèves Fatalité, on se fait beatdown au Yorion. Alors que si t'enlèves Trial, il doit forcément enlever Fatalité au Yorion. Donc c'est mieux d'enlever Trial. Bah en fait, tu lui donnes le choix. Mais s'il enlève Yorion, nous après on sacrifie une apparition qui donne une de 2, on s'en fout. Et lui, il a plus son Yorion qui Donne tue une en de deux 2 et tours. pioche une carte, gagne 2 pev. Non, toujours pas. De quoi? Bah, on va sacrifier ça, nous, après. Et du coup, sa fatalité, elle est entretenue. Eh oui, mais s'il a plus rien, Ah oui, mais ça le lui, recte. entre-temps, il va piocher une carte. S'il retrouve un permanent, notre plan de jeu, il est mort. S'il retrouve n'importe quel permanent, Mais de toute c'est. façon, est-ce que c'est mieux de perdre en deux tours sur Yorion? Ou ça? Parce que là, on prend 4, on fait rien d'autre, et tour d'après, il n'y a rien qui gère Yorion dans notre deck, donc. Il n'y a rien qui gère Yorion dans notre deck? Je crois pas, hein. T'équipes maillée sur. Bah, là, si tu veux concurrencer Yorion, il faut faire 5-5. Eh non, même pas, parce qu'il y a Yorion, il y a un truc, non. Je crois que le play, c'est. C'est de gérer. Ah putain, mais on peut trouver maillé, on peut faire bête frappée d'amour et top deck maillé. Mais non, tu fais bête frappée, y a la fatalité qui tourne et tu vas sacrifier. C'est le seul truc pour concurrencer Yorion, là. C'est triste, Bon, hein. je peux faire une. Ah, ouais. Oui. Bah oui. On a gagné une. Non, mais ça m'énerve. Je suis quand même pas content. Ah, il a gardé Yorion. Tu vois, on a fait 2 points. Ok. Il joue ça. Putain. Bah il est bon, écoute. Mais il prend genre Grull. C'est vrai, ça tue pas les bêtes de Grull, tu vois. Il perd contre Grull. Non? On a à peu près les mêmes bêtes que Grull, hein. Pourquoi tu tues pas les bêtes de Grull? Tu tues pas bêtes de quête, quoi. Ouais, bête de quête. Il n'y a pas des bêtes plus costauds en historique? Je veux pas les 3-3. Les 4-4 là pour 3? Ah, les styles champions, c'est dans le mono vert, quoi. Non, non. 4-4 pour 3 en Grull, piétineur, Ah, fracasseur Grull. Brisseur. Brisseur Grull. Oh! Ça fait vivre. On a une bête? Ouais. On a une bête. On a Ça un fait vivre. Et milliard ça de fait 3 bêtes. points. Ah, on est là. On est là. Donc là, on bourre. Vas-y, 3 points. Limon. Et tu vas le sacrifier tout de suite. Pas enfin, exé tout de suite du cimetière. Oh non, il en remporte. Merde. J'avais pas vu au milieu, je crois que c'est une étendue sauvage. J'avais pas vu non plus. Ah, on passe des points. Ouais, bon, on est pas mort là du coup. Hein. Enfin, on va donner le limon. Hein. Parce qu'il sera 5-5 notre limon. Donc il bloque sa land. Enfin, non, en fait, Il a le il va mana. pouvoir, full bore. Il aura peut-être pas vu, cela dit. Et franchement, on se bat contre. Contre des moulins. Un joueur MPL. Ouais, non mais là on a juste pas vu, mais de toute façon il fallait bourrer au moins avec l'apparition quoi. Là, il va attaquer avec les deux. On est obligé de donner notre limon. Derrière, on met deux. On tue même pas avec le maillet. Quelles sont les issues? Pourquoi il joue ça d'ailleurs? Pourquoi? Ça fait en permanent à sacrifier. Je sais pas. Bon, c'est nul. Ah, Bon. il ne veut pas nous faire sacrifier le limon. Enfin, nous faire bloquer avec le limon, ok. Parce que là, il attaque avec Yorion. Il a perdu sur Donc maillet. c'était maillet fini. Ouais. Va falloir l'appeler. Maillet fines herbes. Il va Il falloir. attaque pas. Donc là, il faut sacrifier ça. Ah non, mais il attaque pas. Putain! Mais Après quel sacrifier play! apparition quand même. Bah ouais, mais bon, il y aura un 2-2, quoi. C'est pas trop grave. Tout est grave. Tout est très Tout grave. est très, très, très grave. Piochou. C'est maintenant. Bah après maillet, pas fou quoi, mais. Bah, Maillet, c'est pas mal parce qu'il est obligé de bloquer. Ouais. Et derrière, nous, on fait une bête frappe. Ah putain, il nous manque un land! Donc non, c'est pas bien, il faut mieux une Vivienne du coup. Phase principale. On peut attaquer au limon, il est obligé de bloquer. S'il double bloque, on tue les deux. Tu mets aspirante. Il met un token, un marqueur sur limon. Et s'il bloque, tu pourras buffer le limon. Ah ouais. Il est obligé de trade avec la 2-2. On est d'accord qu'on va buffer le limon là. Ouais. On met tout sur le limon quoi. Tout. C'est notre pièce maîtresse, comme on dit. Tout parce qu'en plus, si jamais. Ah si, t'es obligé de te servir du limon parce que si il bloque avec.
S'il attaque avec Urion et qu'il trouve Doomportal. Pas Doomportal, Serment de Kaya. Non, 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 faut pas jouer. S'il trouve Serment de Kaya, on est mort. Ah ouais, mais là, on peut plus. Là, le but, c'est de le tuer le tour d'après, nous. Ah ouais? Et avec ça, on le tue le tour d'après, non? Puisqu'on sacrifie Aspirant, si on trouve un 1, on a gagné. Ok, vas-y, joue Bastropé. Attends, Il attends, attends, attends. Il faut n'y a que compter. Kaya qui nous tue. Il faut compter. Il n'y a que Normalement. Kaya qui nous tue, mais si on joue pas ça, comment on tue le tour d'après? Moi, contre lui, avec plan de jeu value et compagnie, je veux tuer le plus rapidement possible. Sachant qu'il y a ça aussi qui nous met mal. Ouais, mais il doit passer le tour. Et là, il doit sacrifier un. Ah, je Ouais, il crois va qu'il faut sacrifier bet, un. en fait. Vas-y, bête. Genre, Parce que qu'importe. tu vas devoir sacrifier un permanent, donc. Ouais, qu'importe. Si Kaya nous tue, c'est pas grave. Genre, bah, pioche Kaya, Bah, bien joué. joué. Plaisir, GG, t'es le plus fort. Bravo. GG, well play. On donne tout, hein. On donne tout pour gagner avec Celestia. Mais on ne gagnera pas. Ce n'est pas possible. Ça me fait encore Non plus mal de mais... Attends. perdre Non mais... Mais contre un quoi? mec qui ne nous tue pas alors qu'il peut nous tuer. Quoi? Pourquoi tu Parce que fais là, en ça? tourmaillé, il a perdu. Sacrifie bête. Oh. Top deck maillé, s'il te plaît, Val. Oh, j'y ai tellement cru. Mais on vit encore, hein. Attends, si on Ah attaque, tiens! il est obligé de l'endre en pente, on la trade, on est mort derrière. Ok, donc ce n'est pas possible. Comment on On fait? va gagner des points de vie. Vas-y, attaque avec Limon. Il me fait tellement de mal cet adversaire. Genre il avait gagné quoi. Il avait gagné, il a fait le choix de ne pas gagner. Il est obligé de bloquer sinon il meurt. Il faut qu'on mette ça pour pouvoir ne pas sacrifier notre Ah ouais. Limon. Notre cimetière, encore plein de bêtes. C'est bon? Tu peux en sacrifier, hein. Bon, on le fera pas le Bon, ouais, tour. on va faire plus tard. Il Et n'y a là, plus de rendre en on lui pente. enlève Là, tu quoi, là? fais apparition, tu enlèves fatalité. Parce qu'il peut sacrifier des trucs gratuitement. On enlève ça, on est d'accord. Ouais. Putain, est-ce que tu peux piocher un land, s'il te plaît? Gros, si on la gagne, celle-là. Merci de piocher un Je te land. fais une putain de fiesta, gros. Oh, la fiestas! Vas-y, attaque. Attaque, t'as gagné! N'oublie pas de sacrifier. N'exilez pas. À chaque fois, ça tente hein, d'exiler un truc de son cimetière, mais il faut pas. Il faut attaquer l'objet de chum block. Il est obligé de chum block, ouais, exactement. Apparition, tu peux attaquer. Hein. S'il bloque Ah l'apparition, il oui, est c'est mort. vrai, il est obligé. Donc là, c'est 2 points gratuits. Ouais. Vérifie qu'il n'y ait pas de corner case. Il peut sacrifier ça aussi quand même pour aller scry. Ouais, Il bon, aurait il dû le l'a faire fait à en son vrai. upkeep d'ailleurs. Ok, très bien. Et nous, on va garder ce land en main. Ouais. Attends, est-ce que ce land peut avoir combien de créatures au cimetière? Ce land, il nous ouvre quoi? Non, c'est Non, bon. mais dans tous les cas, on va pas On a assez de mana prendre. vert. Non, en fait, je pensais à avoir plus de mana vert pour exiler plus ton prochain, mais c'est bon. On a plus de mana vert que de cible légale. Là, il faut qu'il ait 3 cartes de pisse sur le dessus du pack. Ouais. C'est fou, il avait gagné. Il avait Il l'a gagné, pas il gagné. a pas gagné. Mais J'espère qu'il va pas j'espère gagner qu'il va du pas coup. gagner. Il a bottom 2 ou pas? Ouais. Donc il avait au moins 2 cartes de pisse. Yes! Yes! Oui! Yes! Oui! Oh, j'ai jamais été aussi content de Oh putain, gagner! moi non plus, je crois. Yes! Putain, comme ça, pour plaisir! On a conjuré le sort. On a Wouh! conjuré le sort. Oh, mais quel plaisir! Ah, c'est tant d'émotions. Oh, je veux profiter, je veux profiter de ce moment. Désolé, ceux qui écoutaient avec un casque ou des Ceux qui se écouteurs. sont endormis. RIP, ceux qui se sont endormis, pareil, voilà, on vous réveille. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait Ah, mais c'est pour ça plaisir! qu'on fait des vidéos YouTube, C'est hein. pour C'est ça. pour Le ça. reste, on C'est s'en pour ça qu'on fout. appuie sur REC et qu'on sait pas ce qui se passe à la fin. Incroyable. Ah, oh, putain de Et ceux merde! qui sont partis, parce que le watch time, on connaît, hein, vous regardez 15-20 minutes, ensuite vous partez. Ah, Et bien, ceux qui c'est sont le partis, meilleur chez. finish de Chez 2021 pour et il vous. a intervenu le 4 Et janvier. tous ceux qui sont encore là à la fin de la vidéo, dites dans les commentaires, chez tous ceux qui n'ont pas regardé, parce que c'est incroyable. Et je veux que vous mettiez ça, s'il vous plaît. Vous mettez, je suis regardé, j'ai regardé jusqu'à la fin, Et chez chez pour ceux les qui sont autres. partis. Merci à tous d'être restés Ah! jusqu'au bout. Ça m'a régalé. Ça m'a régalé. Putain, on a tout Nous donné, sommes hein. régalés. Ah On a putain, tout donné. formidable. Et il avait gagné et il n'a pas gagné. Et en plus, on le dit, on dit il gagne que sur ça, il la pioche Ah ouais, et il j'étais ne fait fou. pas le play. Tu vois, ça, c'est les mecs qui veulent à tout prix faire sacrifier avec leur Doomforetold. Ils pensent qu'avec leur sexe. Ou assimiler. Et ben là, ça leur apprendra.
C'est la fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu pour ça, c'est incroyable. Ça coûte pas plus cher de bien manger. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, dans la description, avec notre chaîne Twitch, Valpé, Magic Arena FR, surtout n'oubliez pas, c'était de la Belgique.